Benjamin Biolay, ses confidences sur son énorme au moment des fêtes de fin d'année. Benjamin Biolay ne transpire pas la joie de vivre. Son truc, c'est plutôt les chansons tristes. Le spleen et la mélancolie. Et c'est encore pire au moment des fêtes de fin d'année qui lui inspirent. Un potentiel d'énormes cafards. L'hiver est loin d'être la saison qui me réussit le mieux, a confié Benjamin Biolay dans une interview accordée à Madame Figaro. Et d'ajouter, pour ne pas sombrer, je mise tout sur le folklore, j'en fais des caisses avec tout le décorum qui s'impose. Pour lui, le folklore de Noël, ce sont les rediffusions de Sissi, qu'il regardait quand il était enfant. En même temps que le conte musical Abracadabra, avec Daniel Balavoine et Plastic Bertrand qui reprenaient les chansons d'Abba en français. C'est art, mais ce sont mes Madeleines de Proust, a avoué le chanteur. Qui a perdu sa grand-mère maternelle un soir de Noël. Tout ce folklore, Benjamin Biolay l'a réuni dans une émission qui sera diffusée en prime sur Canal+, le Benjamin Biolay Christmas Show. Il a invité Melville Poupeau, Chiara Mastroianni, Pete Doherty, Louane, Vincent de Dienne ou encore Camura à reprendre des chansons de Noël avec lui. De Allez You Want For Christmas Is You, de Mariah Carey à Jolie Christmas, de Frank Sinatra. C'est une grande tradition anglo-saxonne que de célébrer les fêtes de fin d'année avec des shows à la télévision ou des albums spéciaux. Les Beatles, par exemple, offraient à leurs fans des disques de Noël chaque année. Avec des titres et des mini-sketchs, il y a aussi eu les albums de Noël d'Elvis. Une émission spéciale de Bill Murray réalisée par Sofia Coppola avec George Clooney il y a quelques années. Un single de Noël par le groupe de hip-hop Run DMC, a listé Benjamin Biolay. Qui a eu envie de s'y essayer aussi. À découvrir mercredi 21 décembre.